Bonjour à tous, c'est tout d'abord je luminescente d'une nuit d'Australie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo un petit peu plus fun que d'habitude, hein, parce que là ça devenait un petit peu lent, redondant et ennuyeux et... Qu'est-ce qu'on se faisait chier. Donc j'ai reçu une tablette, cette tablette ici présente de la marque Vion, qui me l'ont généreusement envoyée. Bon, sachez que je suis bien plus douée pour le chant que pour le dessin, et vu que je chante déjà pas très bien, voilà. Je pense qu'on va plutôt partir sur une vidéo où on teste mes talents de dessinatrice. Soyez prêts. Prenez des antidouleurs, des antidépresseurs, des anti... tout ce que vous voulez, parce que je suis vraiment très 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 mauvaise en dessin. J'ai beau avoir fait l'art à l'école. Comme on dit, c'est pas l'école qui t'apprend quelque chose, hein. Ça vient de toi d'abord, et le dessin, ça venait clairement pas de moi. Et j'ai des petits airs... J'ai des petits airs... Merde, comment elle s'appelle? Allez, une chanteuse. Katy Perry. Vous trouvez pas que j'ai des petits airs de Katy Perry? Là, je viens de me retourner, j'ai fait genre, waouh, trop bizarre, quoi. Un petit détail, avant que j'entende des choses que je lise avec mes yeux dans les commentaires. Ça fait très longtemps que je me suis pas rasée sous les bras, sachez-le. Donc si à un moment je lève les bras et que vous voyez ça qui apparaît, c'est normal. J'en suis vraiment pas désolée, sachez-le. Mais j'en suis consciente, sachez-le aussi. Je suis sorry, not sorry, mais je ressemble à un paon actuellement. Et je trouve cette vision des choses plutôt romantique. Donc pas besoin de me dire que j'ai des plumes qui me sortent en dessous des bras, je suis au courant. Voilà. On est donc sur Quick Grow. Je pense que vous connaissez ce site internet puisque Squeezie avait fait une vidéo dessus il y a un petit temps maintenant. Et du coup, bah, j'imagine que vous connaissez. Je suis relou. Alors je me rends compte qu'en fait je vous ai pas présenté le site internet, parce que même si vous le connaissez peut-être, bah c'est un peu bizarre de pas le présenter. Donc il s'agit tout simplement d'un site internet qui va vous dire quoi dessiner. Vous avez 20 secondes pour faire le dessin, que ce soit avec une tablette graphique ou avec une souris, peu importe. Et il va essayer de deviner ce que vous dessinez. Donc c'est un petit peu un test, est-ce que tu sais dessiner ou pas? Voili voilou. Du coup bah c'est parti. Dessiner une enclume. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je crois que ça ressemble à ça. Attends, je vais penser à... Je vois genou. Mais ta gueule. Je vois toboggan. Je vois arc-en-ciel ou la grande muraille de Chine. Quoi? C'est une putain d'enclume. Désolé, mais je n'ai pas réussi à deviner ce que c'est. Quoi? C'était clairement une enclume, on est d'accord? Bon, je vais te laisser un petit peu moins fort, hein, parce que le mec est là. Je vois un phasme. Bon, j'ai compris que t'avais pas vu mon enclume, pas besoin de mettre le monde entier au courant. Un visage humain, je suppose. Je vois collier ou cercle. Oh, je sais, c'est visage. Oui. Génial! Un visage, je suis trop contente! Une fourmi! Une fourmi! Alors, ça a une petite tête avec je des. Je vois serre, tuyau d'arrosage, je vois moto, je vois hélicoptère, ou réveil, collier, ou lunette, je vois soleil, ou chandelier. Mais vas-y! Je sais, c'est fourmi. Allez! Et je dessine pas si mal, hein, finalement, je suis pas si mauvaise! Passeport! Un passeport, ça ressemble à. Je vois escalier ou carré. C'est un rectangle. Il y a un truc comme ça. Je sais, c'est passeport. Ouais! Tous des artistes dans la famille. Ah, c'est quoi un porte-voix? C'est quoi un porte-voix? C'est un... Ah oui, je vois. Le porte-voix, alors, c'est un truc que tu mets à ta bouche. Ça ressemble à ça. Il y a un truc comme ça avec du son qui sort. Et une petite encoche. Un hélicoptère. Ça doit être ça. Oui, c'est un hélicoptère. Allez, il y a beaucoup de son qui sort. Mais je n'ai pas réussi à deviner ce que c'est. Ah, c'était gênant. Une chaise. Louis XV ou plutôt Louis XIV. Fait comme ça, un peu. Il va falloir... Quoi? Maintenant tu vois un porte-voix et tout à l'heure tu vois... Ces chaises. Allez! Ils sont beaux mes dessins. Mais on est d'accord que c'était une enclume ce que j'ai fait. C'était une enclume, ça ressemble à ça. On est d'accord qu'une enclume c'est le truc où tu fais des épées quand tu joues à Fable. Ça, ça c'est une enclume. Ouais, c'est une enclume. Bah voilà, bah va te faire foutre. Voilà, c'est parti, on va commencer avec une abeille. Une abeille, ça a une tête, ça a des petites antennes, un corps, avec un tuyau d'arrosage, une batterie, un oignon. D'où ça ressemble à un oignon, espèce de petite... Je vais lui faire des putains d'ailes. Je sèche. Quoi? Je vais faire le grippin de Barbie, mon gars. Un grippin de Barbie, frère. Je vais d'abord faire les fleurs parce que je veux pas qu'il devine tout de suite. Je veux d'abord lui... Putain, c'est quoi cette fleur, Florence? Barbie. Ah non, mais là, c'est... Putain, dit.
Hop, dessiner une tortue de mer. Une tortue de mer. Une tortue de mer, à quoi ça ressemble? Une tortue, quoi. Une tortue qui nage. Donc, il faut sa carapace. Oulala, avec des pattes. Non, pourquoi il y a mon ordi qui bug là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Dessiner une souris, si déjà j'avais pu dessiner ma 1, d'accord. Putain, une tête, des grandes oreilles. Oui, t'as trouvé. Trop bien. Putain, ma tortue de mer, elle s'est pétée là. Waouh, et ils sont méga doués hein, sans déconner. Waouh, ils ont même pensé à faire des tartines et tout. Trop bien. Oh non, elle est trop chou cette petite abeille là. Trop mimi. Quoi? Mais non, mais ça, mon gars, c'est un pigeon, c'est pas une abeille. Laisse tomber, quoi. Genre, il a reconnu une abeille là-dessus. Tu rigoles ou quoi? Oh mon dieu, c'était le pire rire. Le pire rire de la planète. Non, mais c'est quoi ça? On dirait un humain avec deux bras qui lui sortent du bide. Oh, je suis vraiment désolée pour la personne qui a dessiné ça, mais... Waouh, les gens sont des artistes, quoi. Comment ils arrivent à faire ça? Waouh, ils font des avocats de ouf. Voilà, petit, cette vidéo maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut sous la vidéo et à laisser tes petits commentaires. À passer faire un tour sur mon Tipeee si t'as envie de, voilà, de lire un peu mes projets futurs dans ma vie de grande youtubeuse. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à t'abonner à mon blog, pourquoi pas. Tous les liens seront en barre d'infos. Je te fais des gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo.